Salut à tous, c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Et aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, des personnes abonnées à la chaîne ainsi que sur X me demandent de tester Lydia. Lydia, qui on connaît sur ce nom-là, mais qui maintenant a changé, s'appelle Sumeria. On me demande de tester en compte principal Sumeria pour donner mon point de vue sur cette nouvelle application et cette nouvelle partie de nom et de savoir si elle est fiable ou pas avec ces changements. C'est parti, on voit tout après le générique. Comme vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup de cette fameuse mise à jour de la fameuse Lydia. Et oui, Lydia qui a quasiment changé dans structure, qui maintenant ne s'appelle plus Lydia, mais s'appelle Sumeria. Sumeria, un nom qu'on se demande où ils ont été chercher cela, et auquel ils nous ont innové leur fameuse application avec la sortie ce 15 mai 2024, où nous avons tous été surpris. Un petit nouveau icône et notre ancienne mise à jour qui est arrivée ce 15 mai 2024 a fait en sorte de nous sortir une nouvelle application auquel on se pose la question. Qu'est-ce que cette nouvelle application? Eh bien, c'est Sumeria. Et Sumeria n'a pas fait en sorte de rester comme cela. Moi, je trouve que Sumeria aurait déjà dû, pendant déjà quelques mois, faire petit à petit migrer tout doucement leurs clients pour qu'ils ne soient pas surpris de ce changement. Et oui, ce changement, il opère. Car le lendemain, et même en cette journée de cette mise à jour, ils n'ont pas tardé à faire les points de communication pour sortir le point de presse pour faire en sorte d'expliquer pourquoi ce changement, pourquoi cette nouvelle application et quel est leur avenir. Il faut savoir que depuis 2023, ils ont opéré avec une licence. Je dis une licence, un agrément de compte de monnaie électronique. Pourquoi? Car ils perdaient de l'argent et le compte n'était plus au nombre de clients puisqu'il n'apparaissait plus vraiment de clients. Des clients qui se délaissaient ou bien des clients qui, en voyant cette fintech Lydia, n'étaient pas intéressés. Manque de clients, manque de rentabilité, ils ont donc décidé d'évoluer pour faire en sorte de devenir un compte de monnaie électronique et voir s'ils pouvaient faire venir du client. Fort, ils n'ont pas beaucoup évolué, puisqu'ils ont simplement cette année décidé de changer radicalement de structure. Adieu Lydia, bonjour Sumeria. Sumeria, une toute nouvelle partie pour faire en sorte de devenir la première néobanque européenne qui se déporte partout dans l'Europe pour montrer et faire venir du client pour être une banque qui sera déportée dans plusieurs pays. Le premier pays que nous a sorti lors de ce point de presse, ça serait l'Allemagne. Il va falloir que Sumeria fasse le nécessaire pour essayer de convaincre les Allemands qui disposent déjà de N26, Vivi de monnaie, et qui disposent de Revolut. Là, avec tout cela, s'ils arrivent à acquérir l'Allemagne, ils auront déjà fait un premier pas. Qui déjà, nous, on se pose la question, pourquoi ce changement? Pourquoi ne pas avoir laissé l'ancienne application et avoir évolué dans un sens? Là, ils ont, en évolution, mis aussi en avant une toute nouvelle offre, Lydia, qui on connaît tous avec ses offres, Lydia Bleu, Lydia Black. Lydia Black, qui on a connu sur Lydia Standard, Lydia Black Plus, Lydia Plus et Green Plus. Là, on les a tous connus. Mais là, on les a connus, on les a bien scrutés, on les a bien utilisés. Mais là, on se pose la question, est-ce que c'est pour nous mettre la carotte? Ou on a connu cela avec d'autres néobanques ou fintech? Ou auquel il nous annonçait un changement radical et qui, quelques mois plus tard, nous annonçait la faillite. Espérons que non, ça reste à voir avec cette fameuse Sumeria. Sumeria, on me demande de la tester. Là, déjà, je suis sollicité car j'en ai parlé, j'en ai fait un point sur ma chaîne
et auquel sur un X on me demande, puisque je suis testeur, de tester Sumeria pour en donner mon point de vue. Point de vue sur les rentrées d'argent, savoir s'il y a de l'amélioration, si rien n'a changé. Les nouvelles cartes bancaires, savoir ce qu'elles valent, puisque certains déjà rapportent, après avoir sollicité le service client, qui est deux fois plus accessible qu'auparavant. Déjà, c'est une première partie. Qu'ils leur disent que c'est une carte bancaire haut de gamme qui est meilleure que celle que nous connaissons en plastique ici. Carte bancaire qui, vous le voyez ici, carte bancaire avec non plus l'imprimerie des numéros de la carte bancaire au dos, mais un retour en arrière avec des numéros en relief. Qui pour certains disent que les numéros en relief ça fait plus classe, ça fait plus chic, on est mieux vu avec des numéros en relief. Là, je dirais tout de suite stop. Que vous ayez des numéros en relief ou que vous ayez des numéros imprimés, les banquiers vous le diront et moi-même je vous le dis, il n'y a aucun changement puisque la puce, toutes vos informations sont inscrites dans la puce. Votre offre évolue, la puce se met à jour, les informations sont à l'intérieur. Ce n'est pas vos numéros qu'ils soient en relief ou qu'ils soient directement imprimés que vous allez pouvoir penser pouvoir louer un véhicule. Pouvoir louer une chambre d'hôtel et faire du 4 fois sans frais, là c'est la puce qui donnera s'il faut faire de la location de véhicule ou pas. Mais comme c'est une débit en contrôle de solde, vous le savez, les locations de véhicules et les locations d'hôtel, même si vous en trouvez encore en France, que vous ayez la carte imprimée, que vous ayez la carte en relief, vous serez à la même enseigne. Ils acceptent, ils acceptent. Ils n'acceptent pas, ils vous demandent une carte de crédit, car maintenant c'est de plus en plus les cartes de crédit qui sont sollicitées. Vous ne pourrez donc pas louer. Votre carte en relief ne vous servira quasiment qu'à payer pour faire vos courses, payer vos loisirs, payer tout ce que vous avez besoin de payer, mais pour louer, ça ne sera pas possible. Pour le 4 fois sans frais, ça ne changera rien. La décision se fait toujours de la même manière. Le service du commerçant avec la société de crédit vont statuer si oui ou non ils jugent que vous pouvez faire du 4 fois sans frais. Voilà. Donc, un relief ou pas, la carte reste la même, rien ne change. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent, ils veulent simplement que vous achetiez leurs produits, que vous adhérez à leurs produits. C'est pour cela qu'ils vous disent qu'il est bien meilleure qualité. Mais en fait, elle ne change du rien du tout au tout, tout. Elle ne change rien du tout au tout, tout. Voilà, tout simplement. Alors, pour m'avoir sollicité à plusieurs reprises, je vais d'abord faire un petit point sur l'application, vous la représentez ici. Application qui simplement est pas très à mon goût. Ah, je le dis tout de suite. J'étais jusqu'à présent très fan de Lydia, auquel il n'y a rien à se reprocher là-dessus. Ils font un travail très formidable. Mais là, Sumeria, votre application, là, je le dis ouvertement, haut et fort, trop surchargé, un cafouillis auquel l'accueil ne ressemble pas à un accueil digne d'une banque néo-bancaire. Prenez exemple sur certaines néobanques N26 ou encore Revolut, vous arriverez à attirer des clients. Je vous le dis de suite. Mais sinon, pour le fonctionnel, ça reste du parfait du tout au tout, car la carte ne fait pas défaut. Même s'il y a quelques bugs de temps à autre, Lydia est très réactif. Lydia, ex-Lydia, Sumeria est très réactif. Service client qui est maintenant dispo 24 heures sur 24. On va tester tout ça. Là, ce côté-là, vu qu'on m'a sollicité sur les réseaux Twitter, sur les réseaux Facebook et sur Instagram pour que je puisse tester cette fameuse Lydia Sumeria. Eh bien, je tiens à vous annoncer que le test démarre, le test Sumeria va arriver. Pourquoi Sumeria? Ben, c'est du tout nouveau. On va voir leur gamme, ce qu'elle veut faire et ce qu'elle va prévoir. Je sais d'ores et déjà que nous allons avoir le livret d'épargne qui va arriver. Donc, jusqu'à là, elle va innover. Je vais pouvoir tester sa fonctionnalité, voir s'il y a du changement par rapport à son ancienne version, qui était ex-Lydia, voir si les nouvelles cartes bancaires que je vais commander d'ici 15 jours sont aussi fonctionnelles que la carte que je dispose ici.
Vais-je conserver mes anciennes cartes? Non, je ne sollicite pas puisque je repars de zéro, comme pour la nouvelle Sumeria, elle repart de zéro. Donc je repars de zéro. Même si derrière qu'il y a toujours les gars, je repars de zéro. Je vais donc faire revenir mes revenus, je vais donc faire revenir mes prélèvements, et je vais donc tout simplement tester pendant un mois déjà pour voir, et après 2 mois pour faire en sorte de mettre en place bien ce passage au niveau de cette nouvelle Sumeria. Voilà. Donc voilà, le test va démarrer. Donc mes créanciers vont recevoir le fameux IBAN qui n'a pas évolué, je tiens à préciser, et qui auquel je vais pouvoir commander d'ici une quinzaine de jours la nouvelle carte. Mais d'ici là, je vais donc prendre cette carte bancaire qui est là en ma possession, puisque nous pouvons toujours avoir cette carte bancaire, et tout simplement tester les fonctionnalités de la carte bancaire Black Plus sous le régime de Sumeria. Voilà. Donc ça démarre, je vous fais ce test puisque actuellement il n'y a pas grand-chose à dire sur les néobanques. Je pourrais très bien vous tester Greencoat, je pourrais très bien vous tester toute autre partie que je n'ai pas testée pour la chaîne. Mais sachant que tout ou presque elles se valent à peu près toutes, que Greencoat c'est une copie directe de Helios, que d'autres néobanques comme Finch ou autre, ça n'est pas très intéressant. Voilà, je vous le dis tout de suite, car il faut aussi que je me récupère aussi un peu d'argent pour pouvoir vous tester les produits. Donc actuellement, je me fais une petite partie pour vous tester les nouveaux produits qui seront à l'issue des vacances en test, car là, pour l'instant, je me refais un petit point de portefeuille chargé pour pouvoir repartir après les grandes vacances sur de nouvelles bases, de nouvelles néobanques auxquelles vous aurez pour cette fin d'année des néobanques que je n'ai pas testées. Voilà. Donc pour l'instant, c'est nos fameuses néobanques qui sont là actuelles que je repars avec les changements qui sont apportés, comme par exemple Bunk auquel j'ai testé, qui en est devenu mon compte principal, Lydia auquel je vais mettre mes revenus pour faire le test et compter 3 mois pour revenir chez Bunk, et auquel j'aurai peut-être le compte Nickel avec ses nouvelles sorties qui vont arriver très prochainement. Et auquel je repartirai comparé, synthétisé, Revolut et N26. Voilà. Donc le travail jusqu'à ces grandes vacances est bien fourni. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le test de Sumeria démarre. Il démarre dès ce jour. Voilà. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.